Salut, c'est reparti pour un nouveau live du vendredi. Normalement tout marche. Hop, je vais mettre ça sur le devant de l'écran. Il faut être un grand technicien. Donc c'est parti pour un nouveau live du vendredi. Rien d'exceptionnel ce vendredi, donc je vais juste prendre vos questions. Je reviens de la gym, donc lundi, mercredi, vendredi, je fais 1h30 avec Mountain Tough. Et donc le vendredi, c'est les bras, donc je ne sens plus mes bras. Donc voilà. Le vendredi, c'est toujours sympa. Je ne suis pas très cardio. Donc, je préfère le vendredi. Je n'aime pas le lundi ni le mercredi. Même si c'est pas hyper, hyper cardio ce qu'on fait, il y a quand même toujours un minimum. Et c'est assez pète-couille, en fait, le cardio. Hop, ils font le cardio le mardi et le jeudi. Donc, c'est parti pour vos questions. Si vous avez des questions... Salut à tout le monde. Hop. Oh. Donc c'est parti pour les questions. Lumio a quand une nouvelle série du numéro 1 définitivement pas pour le moment. On pourrait y penser, mais c'est pas dans les étoiles, comme on dit en américain. Sébastien Retex, un Retex du retour du LCR. Le LCR, effectivement. Petit système assez intéressant qui a donc été intégré par ma belle-mère qui c'est pour ça que c'est toujours une discussion assez intéressante avec les armes à feu. On a tous une opinion sur les armes à feu, et c'est vrai que généralement quand on est jeune et fort, on a tendance à être myopique, à avoir des œillères et de ne pas voir un petit peu le monde dans toute sa largeur et dans toutes ses possibilités. Ma belle-mère est aveugle d'un œil. Elle a beaucoup d'arthrose dans les mains et elle n'a jamais utilisé d'arme à feu de sa vie. Et elle a 75 ans. Donc il a fallu que j'adapte un petit peu un programme un petit peu particulier. Et donc, pour faire court, effectivement, elle a hérité d'un revolver, donc en 22 longs rifles, 8 coups LCR, donc de chez Ruger, qui est toujours très intéressant, compagnie très intéressante, même si il y a des petits problèmes. Mais donc... Effectivement, plateforme intéressante. On a eu un incident de tir avec un incident mécanique en fait avec le revolver assez intéressant. C'est-à-dire que en fait, la rondelle d'éjection, sur le LCR à un moment. Elle était en train de s'entraîner et de faire du tir avec. Et en fait, les cartouches se sont coincées derrière la rondelle d'éjection. Et donc, impossible d'éjecter les douilles. Un problème que je n'avais jamais encore vu sur un revolver. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et effectivement, il est...
Il est reparti chez Ruger, ça s'est très bien passé, FedEx, et le revolver est revenu sans aucun problème. Et donc depuis, nous n'avons pas eu d'incident mécanique à proprement parler avec le revolver en lui-même, avec la plateforme en elle-même. On a eu bien évidemment problématiques avec le 22 long rifle. Je rappelle que le problème du 22 long rifle en termes de défense personnelle, c'est pas nécessairement que c'est une munition anémique, même si c'est une munition anémique, mais il n'y a pas tué plus fort ou tué moins fort. 8 coups de 22 long rifle dans l'œil, ça va le faire. Le gros problème avec le 22 long rifle, c'est que c'est une munition annulaire et que les munitions, selon la manufacture et la marque de munitions, généralement, on va avoir ici une probabilité non-fiabilité à l'échelle de la munition annulaire. C'est vraiment le gros problème en termes de défense personnelle avec le 22 long rifle, c'est qu'en fait, la munition n'est pas fiable, n'est pas 100% fiable. Si on utilise des compagnies comme par exemple CCI, des compagnies qui sont un petit peu plus pêchues avec leurs munitions, c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez que les munitions qui sont un petit peu mieux en 22 long rifle viennent dans des trays, dans des trucs en plastique où chaque munition est séparée en fait. C'est une problématique liée au 22 long rifle, mais donc munition annulaire qui n'est pas ultra 100% fiable. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de défense personnelle, on préfère être sur une plateforme revolver pour de la défense personnelle avec du 22 long rifle. Personnellement, je n'envisagerais pas de défendre ma vie avec un système en 22 long rifle, en semi-automatique. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas à cause du 22 long rifle, c'est à cause du système semi-automatique. Et donc un problème ici de fiabilité qui ne va pas avec cette histoire et ce contexte de défense personnelle. Le revolver élimine en fait cette problématique de non-fiabilité avec le 22 long rifle parce que si j'ai un incident de tir avec le revolver et qu'une munition, par exemple une cartouche, ne fonctionne pas, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'appuyer à nouveau sur la détente. Et donc, pour moi, le seul système viable de défense personnelle en 22 long rifle, c'est sur une plateforme revolver. Bien évidemment, tout outil mécanique peut casser, tout outil mécanique, que ce soit un semi-auto, un Glock, les Glock cassent, que ce soit Glock, CZ, SIG, que ce soit en semi-auto ou en revolver, il peut y avoir des défaillances mécaniques puisque c'est un outil mécanique. Mais avec le 22 long rifle, vu qu'on est sur une munition donc à percussion annulaire qui n'est pas à 100% fiable comme peut l'être d'autres munitions, qui ne sont jamais 100%, mais qui touchent le 99,99. Je pense qu'il est plus intéressant d'être sur un revolver, et donc effectivement aller sur un LCR, revolver en 22 long rifle. Et depuis qu'il est revenu de l'usine, on n'a pas eu de gros problèmes mécaniques. Et donc ça se passe plutôt bien. Encore une fois, personnellement, si je devais acheter un revolver en 22 long rifle, je ne prendrais pas le Ruger LCR, même s'il est très confortable. Je resterais sur Smith & Wesson. Je viens de faire une vidéo pour Patreon au sujet des revolvers, où j'ai effectivement éliminé la problématique de la munition de la vidéo. Mais si vous voulez être sur un système, si vous connaissez par exemple une personne âgée ou une personne qui a des problèmes moteurs, mécaniques, et qui a du mal à faire fonctionner un semi-automatique, à raquer le slide et ainsi de suite, je vous encourage de passer sur un revolver si cette personne est sur du 22 long rifle. Encore une fois, le problème n'est pas nécessairement la puissance de feu du 22 long rifle, mais donc la fiabilité d'une munition
à percussion annulaire. J'espère que ça répond à ta question. Tom, que penses-tu de la spiruline comme complément alimentaire en stanctu ou bien est-ce un aliment de vilaine? Désolé si question déjà posée. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense que j'en prends pas déjà. J'en pense que... steak? Je sais pas. C'est pas mon domaine. Joker. Julien, on va dire. Penses-tu que s'armer avec les mêmes modèles que les forces armées de son pays est pertinent pour passer plus discret au stand, par exemple, face 90 et P220 pour moi en Suisse? Non. Non, parce que, par exemple, les forces de l'ordre françaises sont sur des sigles de merde. Les unités qui tiennent un petit peu la route passent tous sur du Glock. Pourquoi c'est pas parce que les forces armées, que ce soit par exemple les flics ou les militaires, parfois n'ont pas le meilleur matériel. Hein. Sinon, ça se saurait. Hein. Si le FAMAS était vraiment bien... Donc, si le SIG, c'était vraiment bien, on le saurait. Il y a des systèmes qui sont bien meilleurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de jumeler, effectivement, c'est de carboniser, papier carbonisé, les calibres qu'utilisent nos forces de l'ordre et l'armée, puisque, bien évidemment, dans une situation peut-être d'austérité systémique, de rupture de la normalité ou d'effondrement de la normalité, il sera toujours beaucoup plus facile de trouver de la munition utilisée par les forces de l'ordre et l'armée, et donc du surplus. Et donc, je pense que c'est très intéressant de papier carbonisé, de copier les calibres qu'utilisent les armées et les forces de l'ordre de nos pays respectifs. Mais par contre, après, les systèmes... Non. Dans Rue Barba, vous mentionnez régulièrement les gants en nitrile. Ont-elles un avantage par rapport aux gants en latex? Oui, les gants en latex, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au latex. Et donc, il est préférable d'utiliser... le nitrile, puisque les gens ne sont pas allergiques au nitrile. Une question de David. Je pensais prendre un Glock 19 et Glock 44 en 22 long rifle pour que madame puisse s'habituer avec le 22 avant de passer au 9 mm. Vraie bonne idée selon toi. Alors, les retours que nous avons avec le Glock en 22 long rifle n'est pas génial. Il y en a un ou deux qui ont explosé sur YouTube, littéralement. Donc, pour le moment, je n'ai pas un retour positif par rapport au Glock qui vient de sortir en 22 long rifle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rectifier le tir. C'était le cas, par exemple, avec le Glock 19 de génération 4. À l'origine, le ressort de culasse merdait largement. Ils ont rectifié le tir. Peut-être que ça va être pareil avec le nouveau Glock en 22 long rifle. Peut-être qu'ils vont réviser leur devoir. Mais pour le moment, je ne peux pas... et en plus, on vient de parler semi-automatique en 22 long rifle ou revolver. Pour le moment, je ne peux pas mettre le tampon survivaliste sur le nouveau Glock en 22 long rifle. En plus, ces bâtards l'ont sorti avec un chargeur en 10 coups. Ils auraient pu au moins faire un truc en 15 ou 20 coups, ça aurait été plus sympathique, même 25, 35, pourquoi pas. À savoir que les chargeurs sont beaucoup plus compliqués à designer que les flingues eux-mêmes.
C'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes sur le marché avec certains chargeurs. Non. Donc je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Voilà. Je pense que c'est intéressant d'avoir un 22 long rifle à la maison. Encore une fois, je pense que pour le 22 long rifle, il y a des systèmes qui sont intéressants. J'en ai deux ou trois en semi-automatique, mais pour moi, surtout en ce moment, avec les problématiques mondiales et globales que nous avons à l'échelle des armes à feu et des munitions, à l'échelle de l'approvisionnement, je pense que chaque arme à feu que nous choisissons, en plus vous n'avez que 12 possibilités, chaque arme à feu que nous choisissons devrait être la plus polyvalente possible. Et si on va avoir un 22 long rifle en arme de poing à la maison, autant avoir un revolver. Comme ça, on peut s'entraîner avec, mais ça nous donne une plateforme un petit peu différente qui est largement adaptée à cette munition, donc à percussion annulaire qu'est le 22 long rifle. Et si on doit s'en servir pour une raison ou pour une autre comme arme de défense, il est fortement conseillé de passer sur un revolver. Et donc, fuck Glock sur ce coup-là, qu'ils aillent se faire mettre avec leur Glock en 22 long rifle pour le moment zéro pointé. Arnaud, je me suis depuis peu lancé dans la culture de champion. Tu veux dire champignon. Mais champion, c'est bien aussi. Tu peux faire de la culture de champion. Je fais de la culture de champion. Trois fois par semaine, je vais arroser de ma sueur mes champions à moi. Et culture de champignons. As-tu essayé d'autres variétés que le Strophère? Oui, j'ai essayé d'autres variétés que le Strophère, mais pas ici dans le Montana. Nous sommes en zone 4, c'est un petit peu compliqué. Nous sommes dans un haut désert, en fait, là où j'habite, dans les Rocheuses. C'est un haut désert. Et donc, c'est un climat très, très sec. Et une multitude de champignons aiment énormément l'humidité. Et donc, je n'ai pas un climat forcément facile pour la culture de champignons. Oui, j'ai déjà essayé d'autres champignons, comme par exemple les Portobello, mais c'était dans d'autres climats et dans d'autres zones. Mais je vous encourage fortement à faire du champipi. Hein. Tiger Rang, j'ai 47 ans en septembre. Bon anniversaire. Et je vais commencer le tir sportif dans un club proche de chez moi. Je n'ai jamais touché une arme à feu de ma vie. Je pense être formaté anti-arme. Des conseils. Oui, je pense que tu peux te rapprocher de la communauté ici pour demander des conseils si tu dois demander des conseils. Je pense que tu as fait le pas le plus important qui est donc de t'inscrire dans un club. Je pense que c'est le début de la fin pour toi parce que dans 7 ans, on se reparlera. Bon, touchons de la peau de singe si tout est encore. Voilà. Mais malheureusement, dans 7 ans, on se reparlera et tu auras 10 000 balles de flingue à la maison et tu vas que faire que parler flingue. Ça va être très chiant pour les gens de ton entourage. Bienvenue au club. Des conseils, mollo, tranquille. Et puis juste, voilà, au début, n'écoute pas trop quand même les gens du stand. Rapproche-toi de tes camarades ici, c'est le meilleur conseil. Kevin. Dans un contexte chaud patate, guérilla urbaine, émeute de masse, pillage, dans un village de 1 000 habitants. Change de village, hein, si ça va être aussi chaud patate que ça, dans un village de 1 000 habitants, guérilla urbaine. Un village de 1 000 habitants à moins de 10 km de deux grandes villes, de 10 000 habitants.
10 000 habitants, ce n'est pas des grandes villes. Comment organiser la sécurité du village? C'est une question bien évidemment très très large et impossible à répondre puisque ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, est-ce que tu as un groupe, est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu as 70 ans, est-ce que tu as 15 ans, est-ce que tu fais du tir depuis 20 ans, est-ce que tu es chasseur, est-ce que tu as un clan, est-ce que tu n'as pas de clan, est-ce que ton village, il est sur une colline, est-ce qu'il est dans un ravin, est-ce que vous avez une rivière qui passe, est-ce que vous n'avez pas de rivière, est-ce que vous avez un petit aéroport, est-ce que vous n'avez pas d'aéroport, est-ce que vous faites du betterave, de la betterave autour, ou est-ce que c'est des champs de maïs, tu es dans le sud, dans le nord, il fait froid, c'est l'hiver, c'est l'été. Il pleut, il y a de la gadoue, t'as des poules, t'as pas de poules, t'as à bouffer, t'as pas à bouffer. C'est une question complètement qui peut être effectivement hyper tactique, intéressante. Ouais, alors bon, tu vois, quand ça commence à merder, toi et tes potes, vous pouvez vous mettre dans la grange de Gérard, derrière le tracteur rouge, vous pouvez enterrer deux, trois calaches dans le jardin de pommes de terre de Jean-Jacques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est impossible. C'est impossible de répondre à cette question le plus objectivement parlant, puisqu'il y a un millier de paramètres qui vont venir influencer la défense d'un village. Donc je ne peux pas répondre. Joker. Joker. Tu nous avais dit il y a longtemps que tu faisais des micro-greens. Peux-tu nous en dire plus? Oui. Les micro-greens sont quelque chose de très intéressant qui va avec moi, pour moi, avec la germination. On utilise ces deux méthodes l'hiver beaucoup, beaucoup moins l'été, puisque l'été, si nous sommes sur une agriculture un petit peu plus traditionnelle. Mais effectivement, micro-greens, ça peut être vraiment quelque chose, une production extrêmement intéressante, surtout pour les petits espaces. Comme je l'ai dit, pour nous, en fait, avec nos stratégies, c'est quelque chose qui vient en combinaison de la germination. Et donc, c'est plus pour nous quelque chose que nous faisons l'hiver. Mais je vous encourage de vous renseigner par rapport à la production de micro-greens. Il y a une pléthore de vidéos sur YouTube et Internet sur le sujet qui sont très intéressantes. Il y a un Canadien qui fait ça très très bien. Je sais plus son nom. Bah mais c'est en anglais. Mais tu trouveras, voilà, tu trouveras. Jacques, j'attends tes futures vidéos de construction bois avec impatience. Peux-tu nous en dire un peu plus? Merci d'avance. Non, je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas une chaîne construction bois, moi. Enfin, je veux bien faire un, deux, trois trucs ici et là, mais moi, ma chaîne, c'est survie, c'est résilience, c'est pas construction bois. C'est pas l'école boule. Alors attends, hop, je viens de zapper quelques trucs. Hop, 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 hop. Mon mari aime être près de son job. Il est très éveillé, ça reste de la théorie. Je veux vendre ma maison en ville. J'ai trois filles. Penses-tu que je dois le faire même s'il n'est pas d'accord? Okay, je vois la question. Non, 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 tu ne peux pas vendre ta maison si ton mari n'est pas d'accord. Normalement, il y a une conversation. Il y a une conversation. Avant de vendre la maison sans que ton époux ou ton épouse le sache.
C'est difficile. Je dois dire que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre à ce genre de questions, parce que je suis extrêmement privilégié dans ma relation personnelle. Et donc pour moi, c'est très difficile parfois de me projeter sur des relations de couple qui ne ressemblent pas forcément et nécessairement à la mienne. J'ai énormément de mal parce que je suis extrêmement privilégié. Généralement, on joue dans la même équipe avec mon épouse. Donc je ne comprendrais, j'ai du mal même à comprendre, si tu veux, et à théoriser, et à rationaliser, et à me projeter dans une situation de couple où je me dis, putain, faut qu'on se casse, j'aimerais vendre la maison, mais mon épouse veut pas, tiens, oh, putain, je vais le faire quand même. Ça me... Complètement étranger, extraterrestre pour moi. Mais je pense qu'il me paraît ultra logique que dans une relation de couple, il y ait une communication au minimum, sur les choses ultra importantes et décisions en fait de changement de vie, comme par exemple de vendre la maison familiale pour en acheter une autre. Si vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur ça, si vous n'arrivez pas à communiquer à cet étage-là de la relation, je dirais presque... Pourquoi être marié à quelqu'un? Joker, ça va être une journée Joker. Nikki Larson. Avec un permis de chasse, on a accès à de la catégorie C comme la Troy en 222. Oh, pardon. Comme la Troy en 222. Oh, pardon. En pompe ou en ligne. Plateforme de type AR. Est-ce pertinent en complément d'un 12 superposé et pompe? Non, je vois pas ce que vous branlez avec de la 222. On vient en plus de le dire, je pense qu'il est très intéressant de calquer nos munitions à tout le surplus force de l'ordre et militaire. Le 222, c'est un truc de bâtard, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça et on devrait le pendre. C'est soit tu passes en 223. Alors je sais, on va me dire, ouais, mais en France, 222, c'est facile. Non. Non. Brûlez votre stock de 222. Trouvons le bâtard qui a inventé et développé le 222. Faut le pendre. Plus sérieusement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Surtout 222 en pompe. Oh, putain, qu'est-ce que tu veux faire avec cette merde? Il y a tellement d'autres systèmes qui pourraient être ultra intéressant et pertinent par rapport à ta résilience. Si tu es déjà équipé en 12 superposés et pompes, c'est très bien. J'espère pour toi que quand tu dis pompe, on reste ici sur un truc à canon lisse. Parce que si vous me parlez de vos calibres 12 à canon rayé, je ne peux pas. C'est pareil, c'est... Brûle ça, brûle cette merde. Donc si tu es déjà sur un superposé et un pompe en calibre 12 canon lisse... Il y a tellement d'autres systèmes qui me paraissent intéressants qu'un Troy oh là là, en 122 en pompe. Ah, mais là, ta ligne, Ah, ça merdouille, c'est la merdouille, là. Troy, 222, pompe. Ah, je crois pas que tu peux faire... Je vais avoir des cauchemars cette nuit, moi. Non, 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 non.
Zapper quelques trucs là. Voilà. Une question de Wildman. Est-ce que tu allèges les détentes de tes glocks ou c'est trop dangereux pour ensuite les porter comme tu le fais? Il n'y a rien de dangereux comme je les porte. Mais non, j'ai fait une multitude de vidéos sur les glocks déjà où on parlait un petit peu des modifications sur les armes à feu. Personnellement, sur les glocks, je vais le répéter pour la millième fois. Je ne change rien en interne. Surtout si on parle d'un Glock de génération 3 ou 5, je ne change rien en interne. Pour moi, la seule chose que je change sur mes Glock, c'est un, soit le bouton d'éjection des chargeurs que je mets un petit peu plus long, numéro 1, et bien évidemment, comme je le répète depuis 10 ans, les organes de visée. Les organes de visée qui sortent sur Glock sont à changer immédiatement pour des organes de visée de combat. Mais c'est les deux choses que je change. Je ne change rien en interne. Je ne touche à rien sur un Glock en interne. Le Glock en interne est parfait. Il est absolument parfait. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à toucher. Arrêtez de bidouiller vos Glock. Ce ne sont pas des Renault 12. Vous nous plombez l'ambiance avec vos Glock Gucci de merde, avec toutes les modifications de merde que vous pouvez faire sur un Glock qui marche parfaitement bien dès qu'il sort de l'usine. Et donc, c'est vraiment vilain, quoi. C'est vraiment un truc de vilaine. Je ne supporte pas les Glock Gucci. Il fallait. Ça me répulse. Ça me répulse, c'est comme les claquettes. Les mecs qui sortent leur Glock Gucci avec le compensateur, le machin, le bordel, c'est un truc de vilaine. Donc voilà. Quoi d'autre? Jack, je compte déménager sur l'île Maurice. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients à installer une BAD sur une île tropicale? Bah, tu les connais déjà, hein. Les avantages, c'est que c'est une île, et les inconvénients, c'est que c'est une île. Une île. Personnellement, non merci. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients, à tout. Comme on dit aux États-Unis par rapport à l'univers du militaire et du champ de bataille, sur un champ de bataille, tout peut te tuer, même ne rien faire. Donc voilà. Les avantages et les inconvénients, comme je l'ai dit, on les connaît tous. Maintenant, voilà, prends un bateau. Un petit catamaran. Ok. Tom Tom, ah oh merde, ça. Alors attends, hop. Tom Tom, es-tu connu pour ton travail survivaliste aux US ou es-tu essentiellement positionné sur un public francophone? Je suis majoritairement positionné sur un public francophone, mais effectivement, j'ai quelques contacts aux États-Unis et dans mon entourage, on me connaît pour ça. Je suis d'ailleurs, par exemple, en train de travailler sur un kit de survie chasseur pour les Rocheuses, pour nos amis de chez Mountain Tough. Et Stone Glacier. Donc Stone Glacier, en fait, on en reparlera, mais c'est des mecs qui font de l'équipement pour pour les chasseurs ici. Et donc on est tous en fait en contact. Et effectivement, ça m'arrive d'être consulté en fait pour l'univers un petit peu survie. Mais principalement, je suis sur un public francophone.
Question de Julien. Connais-tu l'écrivaine Ayn Rand? Est-ce encore une écrivaine populaire auprès des libertariens aux États-Unis? Oui, c'est même la seule. C'est même la seule vraiment réelle écrivaine. Écrivaine. On dit écrivaine? Ça se dit écrivaine? Écrivilaine? C'est le seul vraiment, la seule vraiment écrivain qui tient un minimum la route par rapport à cette philosophie que peut être le libertarianisme. Et effectivement, elle est extrêmement populaire aux États-Unis. Ils ont fait un film, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, qui a bien fonctionné et qui fonctionne encore bien. Mais donc, oui, je connais Ayn Rand, bien évidemment, et c'est une écrivaine, écrivilaine, encore la plus populaire auprès des libertariens aux États-Unis. Arnaud, tu nous as parlé de la sortie d'une vidéo sur le trauma kit. Remis au goût du jour, je suis impatient. Qu'en penses-tu nous la proposer? C'est vrai que je voulais la faire cette semaine. J'ai eu une semaine de malade, donc je m'excuse auprès de vous. Sur Patreon, j'ai pas publié grand-chose cette semaine sur Patreon, mais effectivement, je vais la sortir là incessamment sous peu. Je me suis inscrit en club de tir sportif et on a commencé l'initiation. Tu me conseilles de commencer par le pistolet ou la carabine? On a le choix entre les deux pour débuter. Merci. Je te conseille, dans un stand de tir traditionnel, de commencer par la carabine et après, à côté, tu achètes un pistolet et tu vas voir. Tu vas voir NDS ou Lénit. Le pistolet en stand de tir tradi. C'est de la merde, hein. Soyons honnêtes. Les tirs à 25 mètres, tu peux même pas faire de dégainer. C'est quoi ce bordel, quoi. C'est pas. Si encore on était sur des trucs à poudre avec le chien en tête de lion et tout, en mode un petit peu duel, bien habillé, avec une chemise à frou-frou, et qu'on faisait du tir à 25 mètres avec un truc à poudre, ça fait de la poudre et tout. Bon, là, avec la petite moustache qui va bien, c'est bon, c'est partant. Je suis à fond, mais prendre un Glock 19 et faire du tir statique à 25 mètres, je sais pas à quoi ça sert, ça ne sert à rien en fait, ça sert à prendre des mauvaises habitudes de merde, fais du tir à la carabine en stand de tir, au moins voilà, tu peux te poser, tu peux faire ça bien, mais après tout ce qui est arme de poing, faut aller chez NDS ou Lénit. David, pour l'achat de pièces en argent ou or, achètes-tu régulièrement quel que soit le cours, exemple une pièce tous les deux mois, ou selon le cours, pièce inférieure à tant de euros? Ça dépend. J'avais fait une vidéo que je pensais bien. Je m'étais dit, ah putain, ça c'est bien, je l'avais refait 150 fois. Je pense qu'il va falloir que je refasse une petite vidéo sur Patreon par rapport à l'or et l'argent, parce que je prends des questions ici et là. Et je pense, j'ai l'impression qu'en fait, le message n'est pas passé et que on ne comprend pas. C'est quoi le bordel?
L'or et l'argent, c'est pour quand tout va bien. Ce n'est pas pour quand tout va mal. Ça peut par défaut servir quand tout va mal, selon la problématique, selon l'époque, selon la culture, selon l'économie locale et ainsi de suite. Ça a par exemple très bien fonctionné en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça fonctionnerait aujourd'hui comme pendant la Deuxième Guerre mondiale? Je ne pense pas. L'or et l'argent, c'est un outil que nous utilisons pour quand tout va bien, pour quand tout fonctionne. Et donc si c'est un outil pour quand tout fonctionne, en fait, ça n'a aucune importance de quand on achète cet outil. Bien évidemment, si d'habitude le cours de l'argent, si par exemple une once d'argent est à 15 balles et que pour une raison ou pour une autre, pendant 3-4 semaines, le truc est à 35 balles, c'est vrai que c'est un peu con d'acheter à 35 balles. Mais personnellement, je ne regarde pas quand j'achète une pièce en argent si c'est entre 15 et 20 balles l'once, peu importe. Parce que ça n'a aucune importance, puisque c'est un outil que nous utilisons pour quand tout va bien, et c'est un outil qui garde sa valeur et qui a gardé sa valeur depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Si on regarde ce que nous pouvons, le pouvoir d'achat d'une once d'argent aujourd'hui par une once d'argent, par rapport à une once d'argent il y a 250 ans, c'est basiquement le même pouvoir d'achat. C'est quelque chose, l'or et l'argent physique sont des plateformes ultra stables. Mais encore une fois, je pense que l'erreur a été faite par une multitude de survivalistes de propager l'idée de posséder de l'or et de l'argent physique pour quand tout va mal. Pour quand tout va mal, le dernier exemple que j'ai, c'est deux exemples, en fait trois exemples. Il y a eu l'effondrement de l'URSS, l'effondrement de l'économie en Argentine et la guerre de Bosnie. Trois environnements complètement différents, trois cultures complètement différentes. Qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport à l'or et à l'argent? Si on prend l'effondrement de l'Argentine, l'effondrement économique de l'Argentine qui a été ultra rapide, l'or et l'argent a eu sa place. A eu une place prédominante à court terme. C'est-à-dire que à court terme, les gens qui avaient de l'or et de l'argent physique à la maison ont pu acheter à manger, à boire, des médicaments et des flingues. Ça fait toute la différence. Mais c'est un contexte particulier de l'Argentine. C'est un petit peu pareil, on l'a vu un petit peu pareil avec l'effondrement de l'URSS. L'or et l'argent a eu une place beaucoup moins prédominante qu'avec l'effondrement de l'Argentine, avec l'effondrement de l'économie de l'Argentine, mais a eu une place sur le long terme assez intéressante. Si on regarde maintenant par exemple la guerre de Bosnie, on s'aperçoit que l'or et l'argent physique tel qu'on le conçoit en pièces ou en lingots, a été déterminant en fait, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont su que tu avais de l'or et de l'argent, t'étais mort. Par contre, l'or et l'argent en termes d'outils de transaction en bagues et en colliers, en bracelets, en gourmettes, il y a une énorme gourmette en or et il ne veut pas l'acheter. A été très intéressant. Et je pense que ça dépend des cultures, ça dépend des événements et ça dépend de l'époque. Je pense que à la base, l'or et l'argent en pièces et en lingots, devrait être intégré à nos stratégies de résilience, d'autonomie et d'indépendance économique pour quand tout va bien. C'est-à-dire que s'il n'y a jamais d'effondrement, si c'est jamais guérilla urbaine, tu vois, machin truc,
S'il n'y a aucun effondrement, cet outil est très intéressant dans notre portfolio économique. Si ça s'effondre, ça peut être un outil qui peut fonctionner, qui peut être intéressant, comme en Argentine et en URSS. Ça peut aussi être un outil qui ne fonctionne pas ou qui peut même signer notre mort, comme ça a été le cas, par exemple, en Bosnie. En Bosnie, si tu arrivais en bagnole à un checkpoint et que tu disais au mec, hey, putain, tu me laisses passer, tiens, je te file une pièce d'argent, tu te prenais une balle dans la tête parce qu'il voulait voir si dans tes poches, tu avais encore 3 pièces d'argent. Si par exemple, tu arrives à ce même poste frontalier, par exemple, et que tu dis, ah, putain, j'ai mes gosses dans la bagnole, t'as qu'une seule bague en or. Okay, t'as rien d'autre sur toi, t'as pas de bijoux, t'as pas de conneries, t'as qu'une seule bague en or, et tu l'enlèves, tu lui donnes au mec, tu dis, ah, c'est tout ce que j'ai sur moi, c'est la seule chose que j'ai, ma bague en or. Il y a une chance, c'est pas dit, hein, mais il y a une chance qu'ils prennent ta bague en or, qu'ils se disent, bon, c'est juste sa bague. C'est pas Picsou, il n'a pas une espèce de besace en peau d'estomac de mouton avec des pièces en or dedans. C'est juste une bague. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'en Bosnie, ça a largement fonctionné avec les bijoux. Il était très courant, en fait, d'utiliser les bijoux en or et en argent pour s'approvisionner ou s'approprier soit de la nourriture, des armes ou des relations sociales, et ainsi de suite. À la base, le plus simplement possible, l'or et l'argent en pièces et en lingots, c'est pour quand tout va bien. Et donc, dans ce contexte de si c'est pour quand tout va bien, on s'en branle un petit peu de quand on l'achète, à quel niveau, okay? À quel prix. Excellente question. Alors attends, est-ce que je vais... Julien, merci pour ton travail de rien. Je viens d'hériter du pistolet à blanc de mon grand-père. Cet outil a-t-il quand même une utilité quelconque ou bien dois-je l'abandonner au fond d'un tiroir? Non, tu dois l'abandonner au fond d'un tiroir où tu fais une très belle caisse en bois d'hêtre avec du velours violet à l'intérieur. Tu le mets à l'intérieur, tu dis une petite plaque, ceci était ta grand-papa et tu l'attaches au mur. C'est tout. Je vais prendre une dernière question. Question de Phil Thomas, question très intéressante. Et donc, ça va être ma dernière question. Si la majorité de la population souhaite se diriger vers une prise en charge totale de l'État pour plus de protection et de confort, comment pouvons-nous aller contre cette majorité en étant minoritaire? Question assez complexe, mais qui me paraît essentielle pour notre époque, pour notre présent. Donc effectivement, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que la majorité, ce que moi j'appelle d'habitude le collectif, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le collectif aujourd'hui, que la population citoyenne, que nos camarades, souhaite largement se diriger vers une prise en charge totale de l'État pour plus de protection et de confort. Je pense que c'est si le collectif était un patient et que nous étions des docteurs, je pense que tous les symptômes sont là. Je voudrais dire d'ailleurs que j'ai pris finalement ma décision par rapport au monde politique américain qui nous entoure. Et donc, j'ai pris la décision de m'abonner
à la théorie suivante. La théorie suivante qui est, à mon avis, la plus probable aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que, en fait, la gauche américaine et l'oligarchie de gauche américaine, l'oligarchie quoi, a décidé pour ces élections de faire Joker. Et donc, ils ont présenté en fait un candidat, Joe Biden, qui est un candidat jetable. C'est-à-dire qu'il, je pense que en fait, nous sommes sur une stratégie politique sur le long terme, et je pense que la stratégie politique aujourd'hui, pour la gauche américaine, encore une fois, je parle de la culture américaine ici, mais bien évidemment, ça va avoir un impact sur la totalité du monde. Je pense que la stratégie politique aujourd'hui est d'avoir mis un faux président parce qu'ils veulent en fait perdre les élections. Je pense qu'on est sur du Biden-Harris parce que l'oligarchie mondiale aujourd'hui veut que la gauche américaine perde les élections, que nous nous retrouvions sur 4 ans de plus avec Trump pour en fait faire un travail de sabotage massif pendant les 4 prochaines années avec toujours plus de riots, toujours plus d'émeutes, toujours plus de conflits dans les rues, toujours plus de tensions et de conflits sociaux et raciaux, pour créer une espèce d'ambiance confrontationnelle, pour créer une espèce d'ambiance malsaine qui va perdurer, en utilisant bien évidemment l'outil massif qu'aujourd'hui est devenu le corona machin, là, la chauve-souris mal cuite. Et donc en utilisant en fait les masses dans les rues, les masses populaires dans les rues, les femmes d'un certain âge blanches, éduquées, qui viennent un petit peu nourrir ces mouvements de rue et appuyer sur ces mouvements de rue. Et en même temps, en utilisant la chauve-souris mal cuite, je pense qu'on nous prépare ici 4 ans de films d'horreur pour en fait épuiser le moral de la population, de la majorité, pour ensuite proposer dans 4 ans un nouveau programme de gauche avec un vrai président, avec un vrai nominé, avec un nouveau programme de gauche qui va donc s'aligner sur la protection et le confort du collectif et va promettre d'arrêter en fait le film d'horreur que nous venons de vivre depuis 4 ans. C'est la théorie à laquelle j'adhère aujourd'hui. Et je pense qu'on va voir qu'en novembre, cette théorie va se réaliser. Je pense que Trump va être réélu pour 4 ans. Et je pense que ça va être la descente aux enfers dans les rues. Je pense que les gens vont être animés d'un désir de rébellion et d'un désir de tout brûler, de brûler ce système horrible et affreux que peut être le capitalisme. Je pense qu'il va y avoir des tensions et des guerres en fait raciales largement alimentées, huile sur le feu, par l'oligarchie et la politique politicienne de gauche. Et je pense que l'idée en fait, c'est de créer un climat nauséabond, toxique, pour ensuite venir présenter une solution dans 4 ans. Donc c'est une stratégie sur le long terme en fait pour eux, puisqu'ils décident tel que c'est parti ici, avec un nominé comme Biden et son vice-président maintenant Harris, il est évident que c'est une nomination absolument délirante, qui n'a aucun sens, qui ne tient pas la route. Je pense qu'ils sont sur une stratégie de, en fait, perdre, de sacrifier la reine
si on peut parler comme ça, de sacrifier un petit peu son tour ici, de sacrifier une pièce en fait sur l'échiquier pour ensuite, dans 4 ans, présenter une solution après, après un mandat de Trump qui va être malheureusement totalement saccagé par la chauve-souris mal cuite, les émeutes dans les rues, les guerres raciales, tout le monde est facho, l'économie qui plombe à cause de la chauve-souris mal cuite, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, on va continuer d'utiliser cette soupe nauséabonde et toxique contre l'administration Trump, mais on va le garder au pouvoir. C'est des bâtards, hein, mais on va le garder au pouvoir pour que ce soit une descente aux enfers de 4 ans absolument insoutenable et pour ensuite nous présenter donc la solution. Regardez, je suis tout beau, j'arrive à la Obama en fait. Je suis le prince qui va vous sauver de cette torpeur, qui va vous sauver de cet ennemi et de cette toxicité en vous proposant un programme qui malheureusement va être un programme largement communiste, effectivement basé sur la protection, entre autres la protection et le confort, ce qui veut dire, qui dit protection et confort dit en fait suppression de nos libertés, puisque nous ne pouvons pas avoir la protection et le confort sans la suppression de nos libertés. Je pense qu'ils vont largement s'attaquer à notre second amendement. Je pense qu'ils vont largement s'attaquer à notre premier amendement. Je pense qu'ils vont, d'une manière holistique, s'attaquer à la Constitution américaine, en fait, et donc l'héritage de cette culture américaine. Nous vivons un moment assez important, je pense, dans l'histoire des États-Unis. Ça peut largement partir en couille à n'importe quel moment. Moi, je passe, comme je l'ai dit, énormément de temps. Je suis maintenant 3 fois par semaine avec des Américains qui ont grandi en milieu rural, dans des environnements largement chrétiens et largement de droite, catho-tradit, de droite, la totale. Et les mecs, en fait, au quotidien, soulèvent de la fonte et font du tir. C'est pas pour un esprit coubertin. On en parle à chaque fois. Donc, je pense que ce programme donc sur 4 ans, cette stratégie politico-économique sur 4 ans, peut largement backfire, peut largement se retourner contre l'oligarchie et on peut avoir un sursaut de la population américaine assez brutal. Et donc effectivement, tout peut partir en couille extrêmement rapidement à l'heure actuelle. Il y a d'autres facteurs et d'autres problématiques. Il n'y a plus d'armes à feu à vendre, il n'y a plus de munitions. Il y a une demande aujourd'hui absolument impressionnante de la part de la population, du collectif, pour effectivement devenir de plus en plus indépendante et résiliente. Et je pense qu'à d'autres échelles, et c'est beaucoup plus subtil encore que, mais je pense qu'on a cet écho, par exemple, en Europe aussi, on a cet écho au travers du monde entier, mais je pense qu'on a cet écho en Europe aussi, où il y a une espèce de courant sous-jacent que nous avons du mal à exprimer, mais qui sent en fait, ça, comme je l'ai déjà dit, c'est pas que ça sent le sapin nécessairement, mais ça sent le tournant. Ça sent le tournant et en fait, ça sent... ça sent le commencement d'une époque qui peut être absolument effrayante.
Non pas à l'échelle de l'effondrement, mais à l'échelle du ça continue. Parce que à l'échelle de l'effondrement, je pense que c'est assez simple de se projeter dans un univers d'effondrement pour nos cultures respectives. Je pense que nous le savons tous aujourd'hui, mais ça fait 70 ans qu'on a évolué et qu'on évolue dans un univers de salopes et de vilaines, qu'on est dans le luxe absolu et que effectivement, on le sait tous, si la machine, si le ventilateur, nous sommes des patients sur un ventilateur d'hôpital, si le courant s'arrête et que la machine arrête de nous pomper de l'air et du sang et de nous maintenir en vie, ça va être une catastrophe. Je pense que nous le savons tous, s'ils perdent l'électricité demain matin en Afrique, je ne sais même pas s'ils vont s'en rendre compte. Hein. Quoi, l'électricité? Si nous, dans nos pays respectifs, de vilaines et de grosses salopes, on perd l'électricité et que ça ne revient pas pendant 3 mois, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça va être... Là, on voit déjà un petit début de pandémie de merde. Les musclores à la gym, ils appellent ça le rhume d'homme. Le rhume d'homme. Ah, tu as chopé le rhume d'homme. Faut conserver l'humour. Je pense qu'il est évident aujourd'hui que si la machine moderne qui nous maintient en vie aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus les acteurs de notre propre bien-être et que nous sommes maintenus en vie par la machine, je pense que si cette machine s'arrête brutalement demain matin et qu'elle ne redémarre pas, je pense que c'est littéralement la fin du monde. Pourquoi ? Pas forcément à cause de l'événement, mais à cause de la population que nous sommes devenus. Si c'était il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans, nos cultures respectives, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents étaient des gens largement solides et pouvaient encaisser des fluctuations à l'échelle nationale absolument fantastiques. Absolument fantastiques. Ils pouvaient digérer, des générations qui pouvaient digérer et gérer et encaisser des situations absolument terrifiantes. Famine, guerre, Première Guerre mondiale. Tu n'as pas l'enfer de la Première Guerre mondiale. T'imagines si tu demandais aujourd'hui aux jeunes de 18-25 ans de partir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les mecs, c'est pas possible. Ça le fait pas. Je pense que la plus grosse fragilité du système aujourd'hui n'est pas nécessairement le système, mais c'est nous. C'est pour ça que je fais ce travail depuis 10 ans, pour nous endurcir, pour essayer d'endurcir une partie de la population, pour essayer de faire buffer, pour essayer de faire tampon entre l'événement qui me paraît inévitable, quel qu'il soit, que ce soit à la petite échelle personnelle d'un accident de la route ou à la grande échelle, guerre, ce que vous voulez, ou perte de l'électricité pour une raison ou pour une autre, massive solar injection, EMP, la totale, tout ce que vous voulez. Nous sommes devenus tellement fragiles à l'échelle humaine que même les petites frictions de la vie de tous les jours, nous avons du mal, en fait, à digérer et gérer ces petites tensions de tous les jours. Alors, imaginez les grosses tensions. Nous sommes, en fait, devenus des grosses merdes, pour le dire simplement. Nous sommes devenus des grosses merdes fragiles. Nous sommes devenus fragiles physiquement. Nous ne faisons plus des travaux de champ. C'est quand la dernière fois que j'avais demandé à quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, mais ouais, c'est bien beau la parlotte, la philosophie et tout le bordel, mais est-ce que tu fais du foin pendant 18 heures? On ne fait plus de foin pendant 18 heures.
Jean Lassalle, c'est terminé. Physiquement, on est devenu des n'importe quoi, des grosses merdes, des serpillères. Oh, il y a des trous plus grands pour mettre les bras. Nous sommes devenus des serpillères de merde. Physiquement parlant, avec nos petits pantalons moule-couille, nos skateboards, nos téléphones, c'est absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Psychologiquement, c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire. Et j'aimerais rappeler que la psychologie, c'est le domaine numéro un. Ça devrait être notre priorité, parce que si nous ne sommes pas dedans psychologiquement, le corps ne suivra pas. Vous avez beau être un beau bébé bien musclé, bien développé, si vous avez un mental de salope et de merde, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Les mecs qui étaient dans les tranchées, nos arrière-grands-pères qui étaient dans les tranchées pendant la guerre de 14, c'était pas des musclores, c'était pas l'homme fort de je sais pas quoi là. C'était pas des athlètes. Mais putain, le mental de bâtard qu'ils avaient, mon gars. Donc physiquement, on a des grosses merdes. Mentalement, on a des grosses merdes. Spirituellement, il faut en parler. Encore une fois, je ne suis pas croyant. Mais parlons d'un minimum de la spiritualité et de la croyance. Il fut une époque où largement nos cultures étaient croyantes. Catholiques, chrétiennes, peu importe. Il y a une force interne qui vient avec cette croyance. Le plus nous avançons dans l'histoire et le plus nous passons dans l'équipe science plutôt que dans l'équipe croyance, et le plus, en fait, nous nous affaiblissons spirituellement. Je pense qu'on peut être non-croyant et spirituel. Et je pense qu'on peut être croyant et non-spirituel. Ta gueule, toi. C'est peut-être Dieu qui vient de me laisser un message. Non. C'est pas Dieu. Je pense qu'on peut être croyant et pas spirituel. Et je pense qu'on peut être spirituel et pas croyant. Il y a une force interne qui vient avec la spiritualité. Et vous pouvez trouver cette spiritualité dans une multitude de choses. Ça n'a pas forcément, ce n'est pas quelque chose qui doit être obligatoirement associé à une croyance telle que nous la comprenons, comme par exemple l'Église, Dieu, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le collectif rejette largement la spiritualité, et on le voit en fait parce qu'il y a toujours, des espèces de, d'équilibre qui essayent de se faire dans le rejet en fait de la religion. Religion qui vient du mot relier, c'est relier. Okay ? Nous sommes aujourd'hui des anti-reliés. Nous sommes tous déconnectés, non seulement les uns des autres, mais nous sommes aussi déconnectés de cet univers spirituel. Pour une multitude de raisons. L'urbanisation, l'individualisme, l'éducation nationale, une multitude de raisons. La perte des clans familiaux, du noyau familial, et ainsi de suite. Et je pense que c'est un gros problème aujourd'hui. C'est un sujet délicat et complexe, puisque je ne suis pas croyant, mais encore une fois, je me considère comme être spirituel. Mais je vois, en côtoyant des potes qui sont largement, et des groupes d'humains qui sont largement croyants, cathotradis et tout le bordel, ils ont une force que je n'aurai jamais, ou que j'aurai, mais différemment. Je pense que la machine
a tout fait pour nous rendre spirituellement défaillants et donc psychologiquement pauvres et donc physiquement des grosses merdes. Et en fait, c'est le tiercé gagnant pour la machine. Parce que, vu que nous sommes spirituellement désengagés, on peut nous faire gober n'importe quoi. Vu que nous sommes spirituellement désengagés et intellectuellement, psychologiquement minimisés, réduits, on peut nous faire gober n'importe quoi et on peut nous faire continuer à marcher dans un sens qui ne nous correspond pas. Et finalement, le troisième déclin de l'humanité, il est physique. Et tout simplement, si je ne peux pas me rebeller physiquement et au final te mettre ma main dans la gueule ou ma fourche dans le bide, la révolution n'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on tient un collectif, c'est comme ça qu'on nous tient en ce moment. Et donc cet engrenage un petit peu spirituel, psychologique, physique, on le voit largement, on peut largement l'observer. C'est incroyable. On peut largement l'observer se développer dans nos cultures et dans nos sociétés. Et ça fait de nous des êtres dépendants. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, je parle d'indépendance. Parce qu'au final, si ça continue et qu'il n'y a pas d'effondrement, si on reste dans le tout va bien, si on reste dans cette option tout va bien, je pense que ça va devenir en fait impossible à vivre. Impossible à vivre parce que nous allons devenir des êtres totalement déconnectés, ignorants, largement non spirituels, intellectuellement et psychologiquement diminués et physiquement des grosses merdes. Donc en plus, on servira à rien. Le but, je pense quand même, c'est de nous mettre à des bureaux pour faire des trucs de merde. Voilà, mais le but, c'est quand même qu'on serve à rien. Il n'y a aucune contribution ici à notre espèce. Et donc, le plus on s'avance dans ce paradigme basé sur ces trois niveaux, et le plus on s'aperçoit, en tout cas moi personnellement, le plus je m'aperçois que j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, j'ai pas envie d'évoluer dans ce monde-là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si tout s'effondre, le problème, quand je l'ai dit, ça va être en fait la non-fiabilité. C'est un petit peu la... Nous sommes devenus des munitions à percussion annulaire. L'être humain est une munition à percussion annulaire. L'être humain est devenu très peu fiable. On est passé d'un être humain bâti sur le 3006, un truc costaud, lourd, pecno-dégénéré, pâté cornichon, qui fait le boulot et qui abat du truc lourd, à de la percussion annulaire. Truc pas très fiable, maigre, anémique. Le truc, c'est que si ça s'effondre demain matin, ça va être l'enfer à gérer parce que le collectif n'a plus cette résilience spirituelle, psychologique et physique de gérer et d'absorber une onde de choc sur le système qui peut être terrifiante. Une réelle onde de choc. La chauve-souris mal cuite n'est pas une réelle onde de choc. C'est une tension globale, mais ce n'est pas une réelle onde de choc. Ce n'est pas une mass solar ejection, un truc qui nous nique, par exemple, l'électricité pendant 2 ans.
si on était sur une population résiliente, forte, spirituellement, psychologiquement et physiquement, on pourrait tenir le coup. On pourrait encaisser et absorber cette tension, même sur le long terme. On pourrait se serrer les coudes, on pourrait retravailler la terre, on pourrait redevenir des voisins, on pourrait s'entraider, on pourrait se solidifier les uns les autres. On pourrait absorber cette onde de choc et reconstruire quelque chose peut-être même de mieux. Mais le problème aujourd'hui, c'est que non, ça ne va pas le faire. Cette majorité, la majorité aujourd'hui, la majorité du collectif, est une serpillière, c'est une grosse merde. Entre ceux qui vont se recroqueviller dans un coin, « Oh non, laissez-moi mourir, je ne comprends pas, il n'y a plus de frigo. Comment je vais faire pour mon Schweppes ?» Ceux qui sont trop faibles spirituellement et donc qui vont participer en fait de la défaillance de notre espèce au travers du vol, du viol, au travers d'une toxicité largement mal maîtrisée, c'est un gros problème aujourd'hui. Ce manque de spiritualité et d'intelligence et de fortitude psychologique nous amène à une population largement fourbe, salope, vilaine, détestable. On le voit ici aux États-Unis avec les émeutes, hein, c'est vraiment des putes. Hein. C'est vraiment des putes. Hein. Des petites putes, hein. On est très très loin, on est très très loin de la tradition chevaleresque française du XIIe siècle, hein, les gars. Je vais te taper sur la gueule avec ma masse d'armes, mais non, tu viens de glisser dans la boue, avec ta botte en métal, je vais te laisser te relever quand même. On est loin de tout ça. Et donc, si ça part en couille demain matin, mais pour une tension vraiment assez lourde, on va être confronté entre une part de la population qui est totalement paralysée, et, incompétente et... boulet, tétanisé, qui sert à rien, et une partie de la population qui va être, bien évidemment, qui n'a pas la structure spirituelle et psychologique et physique pour devenir un pilier sain d'une communauté. C'est-à-dire qu'il va falloir combattre un maximum de salopes. Alors, c'est ça la majorité aujourd'hui. La majorité, c'est des grosses merdes et des salopes. Donc, si tout continue, on va avoir encore plus de grosses merdes et de salopes. Et on va vivre, en fait, dans un univers... peuplé de grosses merdes et de salopes où personnellement je n'ai pas envie de vivre. Et donc ma solution, c'est le retrait tactique, c'est la base autonome durable, c'est le petit village, petit clocher, petit groupe. De toute façon, ça va se faire avec le petit groupe, les gars. Cette idée presque militaire de grande armée n'est plus viable aujourd'hui. Si vous parlez à des tacticiens militaires aujourd'hui dans les montagnes suisses, tout le monde parle de petits groupes. Même les stratégies militaires ont changé. Donc, cette idée juvénile et naïve de réveiller de grandes populations et de brasser de grandes populations pour peut-être changer la direction ou la vitesse à laquelle nous allons impacter le mur n'est pas viable aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons plus faire cela, c'est impossible, ça ne va pas le faire.
Les vilaines et les salopes ne s'en branlent complètement. Ça va pas le faire. Donc si tout continue dans cette direction-là, personnellement, moi, c'est le retrait tactique. C'est construction d'un univers en parallèle de cet univers de merde qu'on nous propose, auquel je n'adhère pas et je ne peux pas adhérer en toute connaissance de cause. Et donc, Montana, petite ville rurale, clocher, allez vous faire mettre. Si tout s'effondre demain matin, je pense qu'il est intéressant de construire, encore une fois, petit village, petit clocher, petit groupe, stable, dur, avec des compartiments spirituels, intellectuels et physiques, viables, solides, fiables. Le reste, c'est de la merde. Le reste, c'est de la merde. Le reste, on ne peut pas contrôler. Il n'y a pas 36 solutions ici. On ne peut pas aller contre cette majorité. On ne peut pas essayer de changer la direction de cette majorité. Toutes ces choses-là, c'est fini, ça ne marche pas. Nous ne sommes plus dans une époque de grand nombre. Nous sommes dans une époque de petit nombre, de petits clans. Et donc de repli sur soi. Mais ce n'est pas un repli sur soi. C'est un repli sur soi tactique. Ce n'est pas un repli sur soi émotionnel. Est-ce que vous comprenez la différence? Je me demande. On en revient un petit peu toujours aux mêmes solutions. Que ça continue ou que ça s'effondre, partir des villes, clans, donc lien social à mort, partir des villes, lien social, production. Production alimentaire, production économique, production hydrique, production énergétique. Et après, c'est du travail sur soi. Travail sur soi spirituel, travail sur soi psychologique, que ce soit intellectuel ou émotionnel, et travail sur soi physique. Au lieu de passer son temps à essayer de changer les autres, il faut se changer soi-même. L'investissement envers les autres n'est pas un bon investissement. Il faut investir en soi. Mais le soi est complexe. Il faut investir dans un soi spirituel, il faut investir dans un soi psychologique et il faut investir dans un soi physique. Si une de ces catégories vient à faillir, ça devient compliqué. Si par exemple je suis fort et spirituel, mais que je suis con comme un manche, ça devient difficile. Si je suis intelligent, fort, mais à l'échelle de la spiritualité zéro, zéro pointé, je peux largement passer dans la mauvaise équipe. Qu'est-ce qui m'empêche de passer dans la mauvaise équipe si je n'ai pas une certaine moralité avec moi? Pourquoi me faire chier avec mon voisin si tout s'effondre demain alors que je peux largement l'éliminer et faire pelle bâche 2 h du matin? Oui, allô, Gérard, t'as une pelle? Ouais, j'ai une bâche. Tu veux venir à la maison?
Il n'y a pas de combinaison qui est mieux qu'une autre. Mais je pense sincèrement que c'est là où on en est. Et je pense sincèrement qu'il est temps aujourd'hui un petit peu de... Enfin, pas un petit peu. Je pense qu'il est temps de se réveiller là. Faut, putain, il faut passer à l'action, faut passer à l'étape production. Il faut mettre la machine en marche. C'est comme ça que je le vois. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Quand tu vois ce que tu as en face, l'univers des vilaines, c'est un univers très difficile spirituellement et psychologiquement à affronter. Physiquement, tu peux leur mettre des baffes toute la journée, c'est pas rigolo. Mais spirituellement et psychologiquement, c'est très compliqué. Très très compliqué. Les relations humaines avec les vilaines, moi personnellement, j'ai énormément de mal. Donc c'est un énorme travail spirituel et psychologique, que ce soit intellectuel ou émotionnel, pour gérer le niveau de putain, le niveau de merdicité de ces putains de vilaines là. Et dans l'autre catégorie, la catégorie des salopes, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il y en a physiquement, mon pote, physiquement et psychologiquement, mentalement, ça tient la route. Ça tient la route à mort. Donc si vous n'êtes pas un minimum physique et un minimum mental, vous allez vous faire bouffer, les gars. Ce qui est déjà le cas, on le voit quoi depuis 40 ans. Si vous êtes petit français, voilà, rien d'exceptionnel et que vous avez habité dans les grandes villes de France et ainsi de suite, ça fait 40 ans qu'on le voit. On le voit comment les cultures peut-être un petit peu plus masculines, comme les cultures d'Afrique du Nord, viennent en fait, et c'est un petit peu la sanction, les gars. Et ça, c'est l'Afrique du Nord. Quand on parle de l'Afrique noire, quand les mecs arrivent, à l'échelle mentale et physique, mon pote, t'as intérêt à te lever tôt et t'as intérêt à lever de la fonte. Hein. Parce qu'on est des grosses merdes, les gars. Je veux pas dire, hein, mais... comparé à certaines cultures et comparé à certains pays, mentalement parlant, bon ben nous on a été élevés dans le luxe, hein, donc on est des grosses merdes. Et après, physiquement parlant, ça va être compliqué, hein. C'est l'heure, hein, les gars. C'est l'heure de se sortir les doigts. Hein. Parce que c'est bien gentil, hein, les révolutions sur Internet. Ouais, si ça part en couille, t'as guérilla urbaine. Je vais sortir avec mon Troy en 222 à pompe. Je vais niquer tout le monde. Ça va bien se passer. Toi, tu t'es jamais fait courser par 120 noirs avec des machettes, toi. Ils vont t'attraper, ils vont te casser en deux. Hein. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Mais je pense que le message principal, qui est toujours le même depuis 10 ans, mais je pense qu'il est quand même... Mental quand il n'a pas de cerveau, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu confonds intellectuel et mental, mon pote. Non seulement il y a des gens très intelligents en face et il y a des gens très bêtes chez nous, j'aimerais quand même le rappeler, mais en plus, mon pote, le mental, c'est pas nécessairement l'intelligence. Le mental, c'est la fortitude psychologique, c'est la fortitude émotionnelle. C'est quand toi, la dernière fois que t'as pas bouffé depuis 3 semaines, ou bouffé du rat, ou que t'as traversé la Méditerranée sur des petits flotteurs tête de Mickey. Hein? C'est quand la dernière fois que les 2 tiers de tes frères et sœurs sont morts de faim? Ou les 2 tiers de tes frères et sœurs manches courtes? T'as vu quoi, toi, dans ta vie, toi? T'es né où, toi? Palavas les flots? C'est quoi le pire truc qui t'est jamais arrivé? C'est que ton cône de ta glace... ta glace italienne, elle est tombée
un matin d'août, quand il faisait trop chaud et t'as fait tomber ta glace et t'as pleuré pendant 3 jours parce que t'as fait tomber ta glace? C'est ça le pire truc qui t'est arrivé à toi? Vous voulez parler mental, les gars? Moi, je te dis en face. Nous, on le voit là avec les émeutes aux États-Unis, en face, il y a du mental. Hein. Il y a du mental et il y a du physique. Hein. Donc, c'est bien gentil toutes les petites réflexions, les petites révolutions internazes de la mort qui tue. Mais au final. Il est temps, les gars. C'est l'heure. C'est l'heure de faire des pompes. C'est l'heure de lire des livres. C'est l'heure de se construire un clan. C'est l'heure de partir des villes avec vos glaces italiennes et vos flip-flops là, et vos tongs. Vous êtes, si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes dans une dynamique un petit peu de survie et de survivalisme, et que vous pensez tenir la route, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que vous tenez la route? Est-ce que vous êtes au taquet en termes de matos? Est-ce que vous êtes au taquet en termes de clan? Est-ce que vous êtes au taquet en termes de moralité? Est-ce que vous êtes au taquet en termes de mental? Est-ce que vous êtes au taquet en termes de quotient émotionnel? De quotient intellectuel? Physiquement, tu tiens la route? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Faisons un assessment. Un constat des lieux. Si vous êtes dans cette dynamique aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il est temps de se sortir les doigts et de réellement construire quelque chose et de réellement investir en vous-même, de construire une base à l'homme durable, de commencer de la vraie production. De la vraie production. Pas de la production du dimanche. De la vraie production, du vrai lien social, un vrai investissement technique et tactique par rapport aux armes à feu. Genre, j'avais posté une vidéo par rapport au revolver, j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé très rigolo, de Rio, je crois. Il disait, ouais, moi, si je devais acheter un revolver, je prendrais ça, ça et ça. Je pense que tous ici, nous sommes coupables de ne pas se sortir les doigts et de ne pas commencer un programme d'investissement de soi qui tient vraiment la route. C'est bien gentil de dire « Ouais, moi, j'achèterais ça. Ouais, moi, j'aurais ça. Ouais. » En fait, tu sers à rien. T'as rien, tu fais rien. Il est l'heure, les gars. C'est l'heure. Moi, je vous le dis. Ça fait 10 ans que je fais ce travail. Ça fait 10 ans que je dis que ça va bien se passer. Et maintenant, je dis que c'est l'heure. C'est l'heure de s'y mettre, les gars. Sincèrement, hein. C'est vraiment l'heure de s'y mettre. Hein. Parce que là, on rentre dans une dimension qui est largement néfaste. Alors, est-ce que vous allez avoir les outils de combattre, rien que pour vous-même, à votre petite échelle? De combattre la machine en route. Réellement, sincèrement, est-ce que vous avez les outils?
Exactement. C'est l'heure du pâté cornichon. Je vais finir là-dessus. On se retrouve vendredi prochain. Prenez soin de vous. Et surtout, c'est parti. C'est parti. Mettez-vous au taquet. C'est aussi pour ça que je commence à partager un petit peu plus sur les entraînements physiques, les conneries comme ça, pour essayer de motiver un petit peu, de motiver un petit peu les troupes. Parce que là, c'est une question. En fait, c'est juste une question de motivation. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live du vendredi sur Patreon. Stay safe.